Il me faut trouver des mots et pouvoir tout bousculer. Dicter avec ou sans tempo que tout esprit puisse apprécier. Parler de tout, parler de rien. Parler autour du quotidien. Parler de vous, parler des miens. Taquiner ce qui est malsain. Il me faut trouver des mots et pouvoir tout bousculer. Dicter avec ou sans tempo que chaque esprit puisse s'éveiller. Parler d'amour, de compassion. Remettre à la mode la raison. Parler justice, éducation, que le monde change de direction. Il me faut trouver des mots et pouvoir tout remodeler. Reconfigurer nos égos, à l'infini s'améliorer. Remettre en cause la société, refaire le monde à mon idée. Remettre en cause nos destinées, nous pousser à évoluer. Pour que l'on puisse chacun dévier d'un itinéraire balisé, d'une ambition barricadée, neutralisée de peur d'échouer. Que l'on puisse dompter nos frayeurs, nos excès et s'initier à cette évolution innée où sereines seront nos pensées. Bonsoir tout le monde. Bravo. Il ne peut s'empêcher de penser à elle, mais cela lui paraît malsain. Chaque fois qu'il est près de celle qui d'un autre partage le chemin. Peut-être un jour viendra cette idylle, peut-être faut-il forcer le destin. Doit-il être patient, croire qu'il est possible qu'un jour il puisse lui tenir la main. Il ne peut s'empêcher de rester distant, doit faire cela pour rester serein. Il ne peut rester près de celle qui pourtant lui ferait tant de bien. Peut-être un jour sera-t-elle libre, sans lui souhaiter de mauvais desseins. Mais se dit qu'en ses pensées vivres, que son futur n'est pas sûr d'être le sien. Rien ne peut empêcher le cours de la vie, et ils se croisent par-ci par-là. Chaque fois, il a le même ressenti, attentionné à ce que rien ne se voit. Content sur le temps qui passe, pour oublier son visage et sa voix, que l'irrationnel enfin s'efface, aussi longtemps qu'il le faudra. Apprenant qu'ils ne vivent plus ensemble, ils se demandent s'ils se sont séparés. Se peut-il qu'ils puissent sans attendre, doucement, pas à pas s'approcher. Rien n'est sûr, il ne faut se méprendre, les voyant sur les lèvres encore s'embrasser. Mais à présent, il ne veut plus attendre, car ses draps ne sont plus partagés. Chance, hasard ou destinée, certains événements ne s'expliquent pas. Il est là, conscient, buvant un café, échange avec elle et apprécie cela. Seront-ils un jour amis ou amants, ou peut-être rien de tout cela? Cette histoire s'écrit en ce moment, il la vit, quoi qu'il en soit.
Mathilda ne veut pas d'enfant. C'est réfléchi, c'est comme ça. Elle, elle voit la vie autrement et s'en satisfait comme cela. Mathilda ne sera pas maman. C'est décidé, pas de blabla. Le devenir serait un tournant. Pour Mathilda, pas de débat. Mathilda a beaucoup d'amants. Des aventures d'un soir d'encas. Ne cherche pas de prince charmant. Aucune attache de plus d'un mois. Mathilda met plutôt l'accent sur une vie de célibat, voulant toujours figer le temps, toucher la vie du bout des doigts. Mathilda est une enfant, mais nous ne lui en parlons pas, car du haut de ses 30 ans, elle croit en avoir 23. Mathilda est une enfant comme personne n'en voit, et quoi qu'il en soit, qu'elle est restée comme ça. Mathilda est très attachante. Elle a un cœur gros comme ça. Elle sait se faire attendrissante quand soucieux tu fais les 100 pas. Elle prône la persévérance, t'encourage si tu baisses les bras. Sans attendre de reconnaissance, seul ton bonheur suffit à Mathilda. Mathilda n'aime pas faire semblant, l'hypocrisie ne connaît pas. Dans ce monde, pour être décadent, elle fait preuve de bonne foi. Elle s'affiche tout en transparence, même si certains profitent de cela. Pour cela, fait preuve d'allégeance, jamais à qui que ce soit, elle n'en voudra. Mathilda est une enfant, mais nous ne lui en parlons pas, car du haut de ses 30 ans, elle croit en avoir 23. Mathilda est une enfant comme personne n'en voit, mais quoi qu'il en soit, qu'elle reste comme ça. C'est pas moi qui l'ai écrit, ce sera le seul, mais c'est un texte que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup. Donc celui qui a écrit ce texte s'appelle Paul École, et il écrit des textes entre autres pour Calogero, Florent Pagny, et celui-là il a écrit pour une fille qui s'appelle Maëlle, qui a gagné un concours de chant télévisé, et ça parle du harcèlement scolaire. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton quart dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom, je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était à l'écart et on était plusieurs. Il faut un faire-valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face. On ne l'a plus jamais vu. C'était celui d'en face. On ne l'a plus jamais vu. Merci. Pas trop prévu que je parle normalement, parce que quand je parle, je dis que des bêtises. Celui-là, c'est sur le triptyque.
votre fierté nationale, liberté, égalité, fraternité. Oui, mais il est écrit de cette façon-là, justement. Quelle analyse personnelle avons-nous de nos actions? Quand toute illusion matérielle enfonce notre vision, quelle compassion réelle avons-nous de civilisations qui tous portent les séquelles de notre surconsommation? Institutions fonctionnelles mises à disposition ne nous laissent aucune passerelle pour toute autre réflexion. Seule connaissance superficielle d'une irréelle évolution, cette absence de vérité dont nous nous satisfaisons. Liberté virtuelle dans un monde de condamnation. Égalité superficielle à chacun sa situation. Fraternité informelle face à nos implications. Cette bannière actuelle de notre civilisation. Depuis la maternelle, nous avons la même éducation. On isole les caractériels sans leur expliquer cette exclusion. Apprendre à gravir l'échelle, déchiffrer l'institution, cette idée perpétuelle de devoir intégrer sa nation. Dans cette étroite ruelle qu'est devenue la discrimination, où les plaisirs charnels passent après la consommation, que nous reste-t-il de réel, de nos intimes intuitions, que nous reste-t-il d'éternel en termes de compassion? Liberté virtuelle dans un monde de condamnation. Égalité superficielle à chacun sa situation. Fraternité informelle face à nos implications. Cette bannière actuelle de notre civilisation. On se la joue rebelle, on se monte en pression. On entretient les querelles, on maintient la tension. Fait de vie parallèle sous une même objection. Tout le monde porte les séquelles d'une haute trahison. Absence de lien fraternel dans une même cohabitation. Présence de sentinelles à toutes nos intersections. Apparence de vie modèle sous formalisation. Mais devant l'éternel, quelles seront nos explications? On peut retenir la trotteuse du cadran, mais on peut prendre si l'on veut les devants. On ne peut revenir sur un instant marquant, on ne peut réagir autrement. Face aux déceptions, face aux faux semblants, il me faut, je crois, être à nouveau prudent. Face aux situations du passé, du présent, il est temps, je crois, que j'agisse autrement. Je me consume doucement, mon enthousiasme expire. Je ne peux faire autrement que d'attendre le pire. Je me consume doucement, m'approchant d'un avenir, où j'avance récalcitrant vers ce qui me fait souffrir. Je ne peux accepter que les dés soient jetés, que tout le monde m'explique comment jouer. Que les cartes soient piégées, que l'on ne puisse gagner, car tout serait déjà planifié. J'ai
J'aimerais avoir le choix, sans gêne, sans honte et sans débat, de parcourir ma propre voie. Je ne veux plus de règles, de lois qui font de moi quelqu'un, je crois, qui ne me ressemble pas. Je me consume doucement, mon enthousiasme expire. Je ne peux faire autrement que d'attendre le pire. Je me consume doucement, m'approchant d'un avenir où j'avance récalcitrant vers ce qui me fait souffrir. Je crois devenir fou que personne ne voit, ce qui pour moi paraît une fin en soi. Je m'isole, me camisole dans le noir, dans un coin, perdu dans ce monde, perdu je m'éteins. Je me sens prisonnier, contrôlé, enchaîné. Aucun mur autour de moi, mais pourtant, ils sont là. Je me sens formaté, manipulé, exploité. Je crois chaque instant que tout glisse entre mes doigts. Ça, c'est un petit peu triste, hein, c'est un peu nostalgique, ça, c'est pas fait pour danser, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi dans celui-là. J'essaie, et j'y arrive pas toujours. Très souvent, j'essaie d'écrire quelque chose de positif, exerçant à faire sourire avec des prose sans explosifs. Mais nous savons bien que la vie n'est pas un conte de fées, que tous les bons moments ont toujours du mal à s'imposer, qu'il ne suffit pas d'y croire pour pouvoir y arriver, qu'il faut s'armer de patience, persévérance et volonté. Chaque fois du plaisir à aborder des sujets offensifs, relatant avec sourire des psychoses sans apocryphes, afin de pouvoir vraiment bousculer tout ce qui est profondément ancré, et voir si quelques graines peuvent se mettre à germer, afin d'éveiller, susciter l'envie de surmonter nos chemins personnels vers l'idéal destiné. Séduire me vient des mots plutôt incisifs, vu que le but n'est pas d'éblouir, capter les esprits pour ce seul objectif, recherchant à vous interpeller, vous faire réagir, voire malmener, si vous pouviez chez vous amener quelques réflexions à faire pousser.
essence, pourtant si seule. Vidé de mon essence, j'ai mon âme en deuil. Tant de connaissances, mettant mon âme au seuil d'une réalité sans défense, où je me retrouve seul. Telle est ma sentence, telle est ma camisole, sortie de l'insouciance, perdant mon auréole. Sans aucune confiance, là où mon esprit s'isole. Rejet d'une dépendance, rejet d'un protocole. Tous sous influence, dans toutes les métropoles. Des histoires de croyances, laboratoires de symboles. Chacun sous surveillance, chacun dans son alvéole. Un salut, une délivrance, une accoutumance frivole. Classé par compétence, tous ces prix d'une idole. Il n'y a plus de différence, les marginaux s'immolent. Les médias nous influencent, la consommation racole. État d'incompétence, notre liberté s'effeuille. Violence, malveillance, les fraternités s'envolent. Profit d'une décadence où chacun tient son rôle. Chargé de dépendance, inculqué dès l'école. Chargé de différence et de monopole. Tant de connaissances et pourtant si seul. Vidé de mon essence, j'ai mon âme en deuil. Tant de connaissances, mettant mon âme au seuil d'une réalité sans défense, où je me retrouve seul. Tant de connaissances, vidé de mon essence. Tant de connaissances, d'une réalité sans défense. Ça passait bien quand même. Bon, on va faire celui qui est normalement et c'est sur cette musique. Ouais. C'est parti. Tout le charme du coup, je crois que les textes vont sur toutes les musiques, mais en fait non. Ça a marché, ça a marché. Bon, bah vous serez remboursé. Okay. Ça marche. C'est pour moi. Je sais que je pourrais toujours être chaque jour à tes côtés, te serrer dans mes bras et ne plus jamais te quitter. Je sais que je pourrais toujours, tous les jours t'embrasser, te serrer contre moi, te serrer t'enlacer. Je sais que je pourrais plus fort
t'aimer et de toi profiter. De ta présence ici-bas, de toi toujours dans mes pensées. Je sais que je pourrai plus fort chaque jour te le prouver et crier jusqu'à plus de voix que je suis fier de t'accompagner. Vers cette merveilleuse destinée, nous menant bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Prenant notre envol avant de nous réincarner, profitons encore une fois de nous être à nouveau retrouvés. Nous avons la conviction que nos âmes sont liées. Peut-être avons-nous eu le choix de ne jamais être séparés. Nous avons la conviction que nos destins sont liés. C'est agréable de le savoir sans devoir l'expliquer. On pourrait croire à tort qu'une seule vie nous est donnée. Mais je sais au fond de moi que plus d'une vie nous avons partagé. On pourrait croire à tort qu'une seule chance nous est donnée de pouvoir nous retrouver ici-bas alors que nous le faisons depuis l'éternité.